C'est clair. Joli. Bon, bah, petit run improvisé, là. On s'est retrouvé au skatepark de Mélan avec Seb, avec Guillaume. Du coup, petite session de bâche tranquillou. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un buggy Team Asso de Seb en 6S. Le petit Absima de Guillaume, avec lequel il se déglingue avec ses pneus savonnettes. Et moi, j'ai pris le short cars de la petite parce que ma boîte radio est toujours pas arrivée. Donc du coup, histoire d'avoir quelque chose d'un peu étanche. Allez, eh ben, faites-vous plaisir. On va vous montrer 2-3 images. Ciao. Session bâche dit un peu de mécanique. Qu'est-ce que t'as fait? T'as sorti un cardan? Ouais, un cardan. Donc Seb qui est en train de mécaniquer. Guillaume qui a perdu des clips de carreau, du coup on est allé se dépanner sur le châssis du shortcurs qui traînait dans le coffre. Et vas-y, envoie-nous un peu du bois là. Avec les pneus savonnettes. Et je t'avoue, il n'y a que toi qui arrives à piloter ton engin avec des pneus pareils. Moi déjà sur le sec j'y arrivais pas, alors là sur le mouillé j'imagine même pas. Propre ça, joli, très très joli. Ah là la prise d'élan un peu plus compliquée avec les pneus. Copine, hein.
Bon, bah on a un Timasso volant. Ouais, par contre, c'est clair que les buggy par rapport à la stabilité en l'air, c'est vrai que c'est. En gros, Seb il a décidé qu'il allait le mettre, il allait le monter en l'air. Ce qui n'aura pas réussi. Tu me pousses ? Bien joué ! Oh ! Je fais le bourrin là. Ça bouge pas, je vais essayer. J'y arriverai pas. T'es trop lourd. Oh là là, le châssis qui frotte. La compression, elle aime pas. Oh,
Il vole moins bien que l'autre Guy. Nul. Oh, nul. Attention à vous! Désolé! Putain, j'ai fait le bois, je suis... Excusez-moi! On va attendre que vous soyez plus là. Ah! Merde! Ah! Le retour du buggy! J'arrive. Merci Seb. Hop hop hop, je me suis fait peur. Et en plus il est classe, il a sorti avec tes godasses. C'est pour ça. Je suis impressionné par le silence de la machine quoi. Oups. Même trop. Eh ben. On a le short course après un petit pack dans le skatepark. Bon ben, comme vous pouvez voir, du coup. Il y a quand même un atterrissage sur le coping qui lui a pas fait du bien. Du coup j'ai tordu un peu le châssis, donc il va falloir qu'on redresse tout ça. Mais rien de méchant, sinon tout va bien. Parfait état. Hyper solide ce petit truc, hein, franchement. Seb qui se fait plaisir un peu dans le bol. C'est dur à suivre, hein. Ouais, ah, dommage. Bouge pas, j'y vais. Oh, la descente était rapide. Ouais, c'est tout peint, donc c'est du... Et puis c'est du ciment. C'est tellement rapide, j'arrive même pas à le suivre. C'est propre ça. Oh, oh, oh. Wow.
Joli. Terrissage sur le copine. C'était propre ça. C'est sûr, hein, quand tu l'envoies pas à 10 mètres de haut, hein, ça tient. Mais même pour les vols que tu lui as mis, il est encore debout. Franchement, c'est impressionnant. Alors, redis-moi, Timasso XB8 RC8B3. Un sacré châssis. Hein. Et il tourne en 4S, contrairement aux bêtises que j'ai dit précédemment, ça tourne en 4S. Comme vous pouvez voir. Ouais, c'est joli ça. On entend le châssis qui frotte à chaque compression. C'est vrai que du coup, on voit que c'est ras du sol. Mais ça tient. Hein. Ça tient même bien. Hein. Joli ça.
commence à nous à tomber, c'est dommage. Pour l'instant, ça tient. Une fois que t'enroules la première, après ça revient bien. Et on a dans tous les sens, j'arrive plus à suivre. Ouais, joli ça! Ça, c'était super propre. Boum! Ah, dommage! Ah, joli! Wow! Voilà! Oh! Encore là ? Ah ouais, il est là. Il est là.